C'est les vacances, mais pas pour moi. On commence avec un bon bol de miel pops. Et pour les gens qui mettent les céréales avant le lait, vous êtes des extraterrestres. Après cette petite pause sucrée, il est temps de se mettre au boulot. J'ai cherché pendant une heure la touche qui fait deux S en forme de B. Ça m'a énervé, j'ai pris tous les gosses et je les ai obligés à plier tout le linge de la maison. Je leur ai fait tellement peur que même la pote à Alicia, elle s'y est mise. J'ai commencé à faire un petit brin de ménage, d'ailleurs le coussin, je vais le vendre sur Vinted. Et pour une fois que je mange sainement, le chat a voulu me piquer mon repas. Dylan il s'est levé à 14h, mais c'était pour gueuler après le chat qui avait foutu du bordel. Camille s'est réveillée avec la gastro et Rose lui a bouffé les pieds. J'ai voulu lui faire un câlin pour la consoler, mais elle s'est barrée en 2-2. Tout ça pour simplement tourner en rond au milieu du couloir. Hier il faisait 30 degrés et aujourd'hui il y a tellement de vent que ça me retourne tout le grenier. C'est dingue ici, le temps il est aussi changeant que mon humeur. Alicia elle a squatté sa chambre toute la journée avec sa copine. Rose arrêtait pas de se faire dégager de sa chambre et elle me suppliait pour rester. Alors là Virginie, tu te débrouilles, on va pas t'aider. J'ai nettoyé la litière du chat et j'ai lavé toute la maison. Ce truc il aspire tellement bien que j'ai même failli aspirer un bébé. J'ai fait du sport pour garder la ligne et la forme. C'était tellement épuisant qu'après j'ai repris des forces. Rose est tellement gentille, elle m'a soutenue dans mon combat. Dans l'après-midi, elle a lu une histoire à sa petite sœur qu'on avait rien à secouer et qui foutait le bordel. Le sport m'a tellement fatiguée, j'ai fait une petite sieste et la sieste m'a tellement fatiguée que je me suis fait un petit œuf sur le plat. Bon OK, j'ai plutôt joué à la dinette avec ma fille.